Voici le guide complet des défis de la semaine 11 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de fouiller des contenants à Redline Rig, Brutal Beach Head ou Nitrodrome. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre soit à Nitrodrome, juste ici sur le gameplay, soit à Brutal Beach Head ici, ou soit à Redline Rig. Et là, ce que vous allez devoir faire dans ces lieux-là, c'est tout simplement ouvrir des contenants. Alors les contenants, c'est par exemple des caisses enregistreuses, voilà, comme je viens d'ouvrir, ou alors des coffres, des caisses de nourriture, des boîtes de munitions. Tout ce que vous allez pouvoir interagir avec et ouvrir, ce sont des contenants. Donc, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement ouvrir 5 contenants et dès que ce sera fait, ben là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance dans un véhicule ou en étant accroché à un véhicule avec un canon accroché. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver un véhicule et de parcourir la distance avec le véhicule. Parce que sinon, vous allez devoir trouver un canon accroché et parfois, c'est un petit peu compliqué à en trouver. Après, si vous avez un canon accroché, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous accrocher au véhicule en tirant dessus, hein, comme ça. Et ensuite, quand vous êtes accroché au véhicule, vous allez devoir parcourir 1500 mètres en étant accroché. C'est pour ça que je vous conseille de prendre tout simplement un véhicule et de parcourir 1500 mètres pour terminer le défi facilement et rapidement. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme de niveau épique ou supérieur. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay ou alors trouver un autre personnage qui vous vende justement une arme mythique, épique plutôt. Donc là, par exemple, j'ai le fusil laser trifaisceau pour je sais plus combien de lingots d'or. J'ai pas fait attention, je crois que c'est 300 lingots d'or et c'est une arme épique. En plus, j'ai des munitions illimitées. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement trouver un adversaire et lui infliger des dégâts avec mon arme épique. Et vous allez devoir infliger un total de 500 de dégâts avec des armes épiques à vos adversaires. Alors il faut savoir que ça fonctionne contre des bots et ça fonctionne bien entendu contre des joueurs. Mais si jamais vous ne voulez pas acheter l'arme que je vous ai conseillée, vous pouvez bien entendu trouver des armes épiques ou supérieures un peu partout sur la map, hein, dans des coffres ou posées au sol comme ça sur Fortnite. Le prochain défi va vous demander de vous propulser à travers les cerceaux enflammés de Nitro. Donc pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à Nitrodrome. Et ensuite, vous allez passer à travers ces cerceaux pour terminer le défi. Et dès que vous aurez passé à travers 5 cerceaux, alors je pense qu'on peut passer 5 fois à travers le même. Normalement, ça devrait fonctionner. Mais dès que vous aurez passé à travers 5 cerceaux, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de tirer dans la tête des adversaires avec une arme à lunettes. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver une arme avec une lunette, n'importe laquelle. Là, j'ai une lunette thermique, ça fonctionne aussi avec une lunette normale. Et ensuite, vous allez devoir réussir à faire un total de 3 tirs-têtes pour terminer le défi. Après, normalement, ça fonctionne aussi contre des bots. Donc, si vous avez de la difficulté contre des joueurs, n'hésitez pas à aller chercher des bots pour réaliser votre défi.